Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup à toutes nos familles d'être réunies aujourd'hui autour d'un événement particulièrement heureux. Merci d'abord de la confiance que vous avez faite en me permettant de célébrer votre mariage. C'est non seulement un honneur, mais c'est pour moi d'une manière émotionnelle assez forte, vous pouvez l'imaginer. Merci à tous vos amis qui sont ici présents et qui viennent une fois de plus témoigner de l'amour qu'on a constaté nous-mêmes les plus proches depuis maintenant plusieurs années, et tout ce qui vous rassemble entre Hélène et puis Jean-Baptiste. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment ou jamais, je dirais, de dire et de montrer que votre amour est quelque chose qui rassemble. Voilà. Et que, au-delà de vous, c'est l'ensemble de nos familles qui aujourd'hui devront célébrer ce mariage en vous donnant l'opportunité de le vivre pendant très longtemps. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Nous allons donc procéder à la célébration du mariage de Jean-Marie-François Vincent Moreau avec Hélène Camille Somme. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et l'article 371-1. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et enfin, l'article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Monsieur Jean-Marie François Vincent Moreau, consentez-vous à prendre pour époux Madame Hélène Camille Somme? Oui. Oui, Hélène. Camille Somme, consentez-vous à prendre pour époux Jean-Marie François Vincent Moreau? Oui. Nom de la loi, je déclare Monsieur Jean-Marie Vincent Moreau et Madame Hélène Camille Somme unis par le mariage.